Salut tout le monde, aujourd'hui nous allons nous balader dans les coulisses du musée de la bande dessinée de Bruxelles. Allez, très bonne visite! Le musée de la bande dessinée, c'est un musée qui est typique de Bruxelles parce qu'il y a deux formes d'art pour lesquelles la ville est vraiment réputée qui se retrouvent ici. Tout d'abord, évidemment, la bande dessinée, en Belgique, on l'appelle 9e art. Mais puis, il y a aussi l'art nouveau. Nous avons la chance d'être hébergés dans un merveilleux bâtiment art nouveau dessiné par Victor Horta. Et cette combinaison, ce mariage est très belge et très bruxellois, nous rend très attractifs pour les visiteurs étrangers qui découvrent ici un lieu typique de la ville et du pays. Les Belges ne constituent que moins de 20% de nos visiteurs. Le premier public, c'est les Français. L'année passée, c'était un peu plus de 40%. Mais nos visiteurs viennent du monde entier. Les Chinois, c'est devenu notre troisième public. Nous proposons une variété d'expositions. Il y a plusieurs expositions permanentes. La toute première que nos visiteurs voient, c'est l'invention de la bande dessinée. Puis, nous avons une section qui s'appelle « L'art de la bande dessinée » où nous expliquons les différentes étapes pour créer une bande dessinée. Nous avons un espace permanent sur Hergé, Tintin, un espace permanent sur Peyot et les Schtroumpfs, les deux séries BD les plus connues de la Belgique. Nous préparons actuellement la suite. Tous les autres bandes dessinées belges qui auront leur place dans l'expo permanente, la salon de la bande dessinée belge, donc il y aura Franquin, Maurice, Van der Steen, etc. Nous avons l'exposition temporaire. Il y a toujours deux grandes simultanément. Nous avons la galerie où il y a d'expositions temporaires consacrées à une seule publication avec des planches originales. Nous avons la bibliothèque d'études où nous proposons plus de 60 000 titres en bande dessinée aux gens. Aussi plus de 4 000 ouvrages théoriques sur la bande dessinée, biographie, études, mémoire, licence. Il y a beaucoup de choses à faire dans le musée que pas forcément tout le public voit. Le plus visible, c'est les gens qui assurent l'accueil, qui vendent les tickets, le gardiennage. Mais derrière ça, il se cache au fait une ruche d'activités avec une équipe qui prend tout en charge. On aime assez bien comparer la fonction de notre service à la tour de contrôle du musée, un peu, même si on fait des erreurs, c'est un peu moins grave que pour des aéroports, mais en gros, ben voilà, on reçoit des mails, on reçoit des demandes de réservation, on reçoit des demandes de rendez-vous, ça va un peu dans tous les sens. On reçoit beaucoup de demandes de gens qui veulent avoir des réponses sur les droits d'auteur ou qui veulent avoir une telle information sur tel auteur de bande dessinée ou sur telle exposition qui a lieu ailleurs. On peut avoir des coups de fil de personnes qui ont des originaux ou qui retrouvent des BD. Souvent, c'est des vieux Tintin des années 40, par exemple. C'est vrai qu'on a une sacrée belle collection qui est bien cachée, qui peut être des achats, qui sont des dons également, qui sont des prêts aussi, des auteurs qui nous laissent leurs planches en prêt. Et donc, bah, soit on les ressort pour des expositions, on les fait voyager un peu aussi, on fait des collaborations avec d'autres organisations à l'étranger ou en Belgique. On va parler de bande dessinée belge. Vous êtes au Centre belge de la bande dessinée, je suis votre guide, je m'appelle Rachel. Et on a les grands classiques de la bande dessinée belge. La Belgique est un petit pays, mais
la bande dessinée est très importante chez nous. Notre équipe de guides est constituée de différents profils. On a des guides professionnels qui ont fait souvent des études d'histoire de l'art ou des spécialisations en tant que guide, des études de guide aussi, ou les deux, et qui eux travaillent pour la ville, pour d'autres musées, donc il y a déjà un bon agenda. Et puis on a des guides aussi qui sont auteurs de BD et qui adorent partager leur passion, leur métier. Donc ça, c'est des guides qu'on aime bien mettre sur des groupes qui travaillent sur la bande dessinée en classe, par exemple, des choses comme ça. Little Nemo est le premier personnage de bande dessinée. Winsor McCay, pour un quotidien new-yorkais, imagine cette histoire. J'ai toujours aimé la bande dessinée parce que chez nous, on en lisait quand j'étais petite. Mon père était un grand fan de BD, donc puis j'ai des enfants qui sont dans la bande dessinée. Enfin, j'ai une fille qui fait de la bande dessinée aussi. Et donc, bande dessinée, c'est très important dans la famille. C'est une histoire familiale, on va dire. Je suis devenue guide au musée de la bande dessinée il y a 20 ans, mais on ne reste pas le guide qu'on était. On devient aussi le guide qu'on est au fur et à mesure. Sur 20 ans, on apprend beaucoup de choses, on se forme en permanence. Et je dirais, on ne devient pas guide, c'est quelque chose qui est en devenir permanent. Et dans un album qui s'appelle au départ La flûte à six trous, Péon se dit « Je mettrais bien des petits lutins bleus ». Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand c'est vivant, quand c'est interactif, quand il y a quelque chose qui bouge, que les gens quittent la visite en ayant envie, par exemple, de lire de la bande dessinée ou de relire de la bande dessinée, quand ils disent « Ah oui, c'était passionnant, ah, vous êtes passionné, ah, c'est ça qui me plaît, c'est communiquer, en fait, c'est que ce soit interactif. » C'est vrai qu'on passe énormément de temps à apprendre, à étudier, donc ça, ce sont des choses dont on ne se rend pas compte quand on est visiteur. On bosse beaucoup en amont, quand même, mais c'est passionnant, on apprend sans cesse, sans arrêt, quoi. On est d'une génération quand même où on a connu le boom de la BD dans les années 80. Donc je pense qu'on est dans une génération très ouverte à plein de choses. Et puis on a vu évidemment apparaître le manga, aussi le roman graphique. Par la suite, d'autres styles de bande dessinée qui ne correspondaient peut-être pas au Spirou Tintin qu'on lisait quand on était plus petit. Moi, ce que je trouve qui a changé, c'est les référents des enfants, par exemple. Parce qu'avant, par exemple, Astérix et Obélix, ils connaissaient beaucoup plus que maintenant. Bon, tout le monde connaît Tintin, c'est un grand classique. Il y a vraiment des référents, même par exemple Titeuf, c'est un référent qui n'est plus aussi présent qu'il y a 15 ans. Ça évolue, ça change. Game Over, par exemple, c'est plus Game Over que Titeuf maintenant. Il y a vraiment, je parle pour les enfants évidemment. Les adultes, on a des adultes qui aiment beaucoup la bande dessinée, qui sont des lecteurs pointus, avertis, mais on a aussi des adultes qui lisent les grands classiques. Mais ce qui est chouette, c'est quand on voit des adultes, et parfois ce sont des seniors, qui n'ont plus lu de bande dessinée depuis je ne sais pas combien d'années, puis tu leur fais la visite, tu parles de Gaston, tu parles des Schtroumpfs, il y a leurs yeux qui s'illuminent et qui disent merci, merci, oh je vais relire, et ça c'est chouette quoi. Musée de la bande dessinée a commencé avec Guy de Sissy. C'est lui qui a colorié les premiers récits de Tintin. Mais était beaucoup plus qu'un collaborateur, c'était aussi un ami personnel d'Hergé et surtout un admirateur de la carrière, de talent d'Hergé. À la fin des années 1970, il avait l'idée de créer à Bruxelles un musée Hergé. Alors il avait parlé de son projet au maître lui-même, qui a dit « c'est une très belle idée, mais ce serait mieux d'agrandir le sujet et de faire un musée sur toute la bande dessinée, pas uniquement sur mon Tintin ». D'autres gens se sont rejoints au rêve des auteurs de bande dessinée, des amateurs, journalistes. Ça devenait un petit groupe qui s'appelait Centre Belge la bande dessinée et qui était à la recherche d'un endroit à Bruxelles pour créer un musée permanent. C'est un bâtiment qu'Horta a dessiné dans la deuxième partie de sa carrière à Art Nouveau entre 1903 et 1906. Donc il était inauguré en 1906.
Et donc, c'est un ancien magasin de tissus. On était chez des grossistes en tissus. C'est ce qui explique évidemment la monumentalité du bâtiment. Il a fonctionné jusqu'en 1970, ce qui est pas mal quand on connaît un petit peu l'histoire du quartier. Puis, il a subi 14 années d'abandon, classé en même temps que l'œuvre de Victor Horta. Ça avait été acheté par le Régie des bâtiments, qui était prête à restaurer le bâtiment. Et l'État fédéral cherchait une nouvelle destination au bâtiment. Et très important, c'était que le bâtiment pouvait rester public. Donc pas question de faire ici un ministère qui était fermé aux gens. L'État fédéral est entré en contact avec l'association de Guy de Sissy. Et comme ça, l'idée est venue donc que l'association pouvait utiliser le bâtiment gratuitement pour y créer un musée privé. Et donc l'idée, c'était évidemment de faire se rencontrer deux grands produits culturels, économiques belges, qui étaient la bande dessinée et l'art nouveau. Un moment dans les années 80 où l'art nouveau devient vraiment à la mode. L'installation du musée de la BD ici symbolise aussi le sauvetage d'un important témoin de notre patrimoine bruxellois. Donc le musée est quand même situé dans un quartier très ancien. C'était le quartier où il y avait toute la presse et tous les bureaux des journaux à l'époque. Donc ça grouillait de monde. Et puis il y a eu beaucoup les travaux à la jonction Nord-Midi. Ça a éventré toute la ville du nord au sud. Et ensuite, c'est un quartier qui a été un peu à l'abandon. Et puis les choses ont repris, et notamment entre autres grâce au musée. Quelque chose qui a toujours eu lieu ici dans ce quartier, c'est la fête du Meibom, qui est une fête populaire. Il y a des géants, il y a toutes les guildes de Bruxelles qui viennent. Et donc c'est tout un temps, on a beaucoup participé, on a fait venir les géants dans le hall du musée, on a fait venir... Donc on aime assez bien cet ancrage-là. Et donc oui, on fait aussi parfois de bonnes fêtes entre nous qui essayons de garder l'état d'esprit du passé. Et donc pour les 100 ans du bâtiment, par exemple, donc c'était en 2006, il y a eu une grosse fête du personnel, mais aussi où le musée était ouvert à tous. Et où tous les membres du personnel étaient déguisés en habits d'époque 1906. Mon métier de scénographe, ici au sein du musée, c'est l'équivalent du boulot de l'architecte. Et je couvre le boulot vraiment depuis la conception. Et donc en collaboration avec le commissaire, je vais concevoir l'architecture d'après les besoins, d'après les nécessités, d'après aussi les difficultés techniques que nous avons ici au musée, puisqu'on est dans un lieu tout à fait ouvert. Donc la difficulté que nous rencontrons par rapport à ça, c'est que on ne peut pas cloisonner les choses, on ne peut pas prendre les gens par la main et les obliger de suivre un fil conducteur. Donc les gens sont un petit peu libres de circuler à leur guise. Alors il y a bien sûr un schéma qui a été conçu depuis le départ, mais voilà, on a beau essayer de guider les gens d'une façon ou d'une autre, ils circulent dans l'expo comme ils veulent. C'est un petit peu compliqué parfois, c'est un peu frustrant. Il y avait une exposition ici sur Walteri. J'avais carrément fait une entrée d'avion de façon à ce que les gens rentrent par là. Mais il y a des gens qui pensaient que c'était juste un décor et n'osaient du coup pas rentrer par l'autre côté. Voilà. Tous les 3 mois, on a une nouvelle exposition. Donc ça veut dire que tous les 6 mois, on change l'ensemble des expositions. Pour faire une exposition, on commence plus ou moins 6 mois avant. Quand on a terminé l'expo précédente dans le lieu dédié, on commence à travailler sur l'expo qui va suivre. Et il y a toute la conception, mais le chantier réellement, nous avons plus ou moins 15 jours sur place, plus une semaine en amont, en préparation, à l'atelier. Donc c'est plus ou moins 3 semaines de construction pour arriver à aboutir à une exposition finale. Voilà. Il y a 2 expositions nouvelles pour l'instant. Il y a une exposition Astérix chez les Belges. Et ici, je travaille sur l'exposition Zidrou. Il y a plein de dessinateurs différents.
chose compliquée pour nous parce qu'il faut arriver à rassembler toutes les planches qui viennent d'un peu partout. Mais voilà, ici on est en train de préparer, là vous êtes au milieu du chantier, on est en train de préparer cette exposition. Pour Astérix par exemple, ben voilà, au niveau éléments de construction, on a reconstitué une palissade imaginaire sortie d'une bande dessinée, une palissade d'un camp romain. Et puis à l'opposé, on a une palissade qui ressemble plus au camp gaulois, voilà, au village gaulois. On a installé pas mal de jeux, pas mal d'éléments. On a fait une petite table qui fait penser au banquet qui termine habituellement les albums d'Astérix. Alors ici, par contre, pour Zidrou, on a évidemment reconstitué la classe de l'élève du Cobu. On a essayé de reproduire des bancs un peu à l'identique du dessin, différents éléments, ben voilà, les inventions du Cobu. On a mis une vitrine avec tous les objets confisqués à du Cobu. Et puis, ben, à l'autre extrémité, ben, voilà, on a une voiture qui est la fameuse Esterel, qui est la 4L qu'on retrouve dans Les Beaux Étés. Arriver à faire sortir des objets 3D d'un album, ben, c'est pas facile. Et donc, ben, voilà, ici, ben, par exemple, les bancs, on n'a pas trouvé vraiment des copies exactes des bancs d'époque. En plus, ils sont souvent trop petits, les adultes ne savent même pas s'asseoir. Mais ici, voilà, on les a réalisés nous-mêmes, on les a construits en essayant de suivre un maximum le dessin. Pour Les Beaux Étés, ben, l'Esterel, ben, il a fallu racheter une vieille 4L, plus encore une épave de 4L pour la transformer, pour arriver à la monter ici, parce qu'évidemment, on est au troisième étage, et monter une voiture au troisième étage, c'est pas évident. Nous sommes ici dans l'exposition J.P. Donc c'est un auteur peu connu chez nous, mais qui a eu un grand prix d'Angoulême il y a quelques années, donc qui a tout à coup été révélé au grand public. Donc c'est une exposition que j'ai pris en main. J'ai contacté l'auteur, j'ai contacté un collectionneur qui avait toutes ses œuvres, et on est allé en Italie avec le scénographe pour choisir les œuvres, pour parler à l'auteur. La plupart des textes dans cette expo viennent de l'interview que j'ai faite de l'auteur. On fait un rétro-planning de 5 mois, je dirais. Donc il faut vraiment commencer à prendre les contacts et les rendez-vous et faire les choix 5 mois à l'avance, quoi. Et il faut choisir les planches, faire les légendes pour chaque planche, faire un scénario de l'exposition, faire un parcours. Et puis mon boulot personnellement me permet d'avoir énormément de contacts. Par exemple, nous ouvrons la semaine prochaine une exposition consacrée au scénariste Zidrou avec une 40aine de dessinateurs. Donc il faut prendre contact avec tout le monde, s'arranger, prendre des rendez-vous chaque fois avec tout le travail technique qui suit, parce qu'il faut assurer chaque œuvre qui rentre dans le musée de la bande dessinée. Nous ne sommes pas le seul musée de la bande dessinée en Europe et surtout pas au monde. Nous avons plusieurs collègues avec qui nous avons d'excellents contacts. Il y a un centre BD à Hong Kong qui n'est pas tellement grand mais très dynamique, avec qui nous avons de très bonnes collaborations, qui nous est d'ailleurs très utile parce que nous préparons pour le moment une grande exposition sur la BD chinoise. Évidemment, nos contacts à Hong Kong, mais aussi en Chine continentale, seront essentiels pour les préparations de cette exposition. Le musée de la BD à Bruxelles, c'est un lieu qui est vivant, c'est-à-dire que on ne va pas se figer avec une expo permanente qui ne bougerait pas. Nous avons des originaux dans l'exposition permanente, ils sont changés régulièrement, donc c'est un lieu qui est en perpétuel mouvement, parce que la bande dessinée change, la bande dessinée évolue, il faut qu'on évolue avec elle aussi. Très souvent, on va donner des conférences sur la BD belge à l'étranger. Parfois, nous proposons aussi des expositions itinérantes qui font le tour du monde avec le même but, donc faire découvrir aux gens la bande dessinée belge, démontrer le rôle essentiel que notre pays a joué dans le développement de la bande dessinée et convaincre ces gens-là de l'utilité du 9e art belge et universel, évidemment.
Voilà, l'émission se termine. N'hésitez pas à vous rendre sur le site du musée de la bande dessinée pour découvrir toutes les expositions en cours et celles à venir. Et moi, je vous donne rendez-vous le mois prochain. Ciao tout le monde. Hey, maman, regarde ce truc. 这是那个卡布那个 TV 可有名了真的在中国对哦